toute façon, on peut en avoir qu'un. Le grand Byron. C'est Byron, hein. Dyson. C'est Dyson. Ouais, voilà, c'est ça. Oh non! Salut à toutes les truites et truitesses, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Brawl Stars et pas n'importe quelle vidéo. Nouvelle mise à jour sur Brawl Stars, quel va être le programme les amis? Découverte du nouveau brawler, un nouveau brawler qui est disponible. Déjà, on va voir ce qui est disponible sur cette mise à jour et essayer de débloquer ce nouveau brawler. Donc, pack opening du nouveau brawler. On a énormément de boîtes à ouvrir. Est-ce qu'il y a un nouveau Brawl Pass? Parce que moi, je suis totalement perdu les gars là. Brawl Pass, récompense, ben non, il n'y a pas de nouveau Brawl Pass, c'est toujours l'ancien. Le prochain Brawl Pass qui sera changé dans 46 jours, donc on a juste droit à une mise à jour classique. Les amis, si vous voulez soutenir la team super, parce que Romain, en fait c'est Romain que vous soutenez, mais Romain reverse tout à la team super, vous mettez le code Romain dans le shop. Et merci encore une fois à Romain pour ça, code créateur Romain dans la boutique, on va aller exploser les achats. Tout de suite, on commence avec du coup le shop. On a les méga boîtes. On va les ouvrir pour essayer de débloquer le nouveau brawler Byron. On a 0,26% de chance de le débloquer. Donc, quand j'ouvre une méga boîte, on multiplie par 10 le pourcentage qui est affiché juste ici. Donc, on passe à 2% de chance. Donc, je devrais ouvrir 50 méga boîtes pour être sûr. Enfin, c'est pas une science exacte, les pourcentages, mais être quasi sûr de le débloquer. Je pense qu'on va le débloquer quand même plus rapidement que ça. En tout cas, j'espère, parce que 50 mégaboîtes, ça picote. Je pense que les 1000 gemmes, ils y passent. Déjà, la base. Première achat de skin. On va essayer de compter ensemble combien en euros on dépense dans la découverte de cette mise à jour. 6,40€. On est bien d'accord? Donc là, on va enchaîner les achats et voir ensemble combien je vais pigeonner dans cette putain de vidéo. Bah là, on a deux skins quand même assez collector là pour l'événement Browse and Friends. Je les ai tous pour l'instant, donc on va acheter les nouveaux qui sont le skin de Sally, donc 149 V-Bucks. Donc 149 divisé par 17 est égal 10,52€. Donc 10,52€ à ajouter à 6,40€. Donc là, les gars, si je clique là, ce que je viens de faire... Ah ouais, c'est plus cher que des cartes Pokémon, ce bordel. Du coup, plus 10,42€. Donc là, avec ce skin, on est à 27,36€. Ah, c'est une catastrophe. Donc on a le skin Polychoco à 4,64€, 79 gemmes. 119 gemmes, donc c'est du x10. Donc c'est 10€. On a 10€ là. Et enfin, 60 gemmes. C'est du 4€. Donc on a en gros 8 plus 10, on a encore 18€ à ajouter à cet achat. Donc 27 plus 18, ça fait combien les gars? Ouais non, non, je suis en train de le calculer les gars. Le monteur va vous faire le calcul, ça fait 45€. Donc là, si je suis bien le délire, si je fais 10 lives comme ça, 11 lives, j'ai dépensé 500€. Si j'en fais 22, j'ai dépensé 1000€. C'est cher comme jeu. Bon les gars, on va passer aux choses sérieuses. On va acheter rapidement ce skin. Voilà, petit skin de Poly. Je le trouve quand même dégueulasse, hein. Il change pas beaucoup pour le coup. Et les amis, on attaque l'ouverture des méga boîtes. C'est parti. On commence avec une méga boîte ici. C'était la méga boîte de chauffe. Allez, s'il te plaît. Do it. Non mais il y a eu un bug. Non non, attendez attendez. C'est sûr qu'il y a eu un bug. Hop, je relance le jeu. Je pense que l'achat a pas été pris en compte. Genre là je vais relancer le jeu, je vais avoir les gemmes et je vais pouvoir racheter les méga boîtes en mode... Non, il y a eu un bug. Bah les gars, est-ce qu'on n'irait pas essayer de débloquer le nouveau brawler dans ces petites boîtes gratuites? Et j'ai également une question pour vous dans l'espace commentaire. Est-ce que vous avez réussi à débloquer le nouveau brawler Byron? Si oui, comment? Explosez-moi cet espace commentaire. Pareil pour cette barre de pouces bleus. Je compte sur vous, objectif 8000 pouces bleus. Et on se refait un méga pack opening où j'essaye de débloquer Byron sur un autre compte. On va attaquer tout de suite. C'est quand même une mythique. C'est quelque chose de pas facile à débloquer. C'est parti. On a également des gadgets, peut-être des star power à débloquer. Ça va être la petite surprise de ce pack opening. C'est parti. Allez, s'il te plaît, du sale, s'il te plaît. Ce serait incroyable de débloquer rapidement. J'en ai 206 quand même. En plus, c'est des boîtes ultra rares, ça. C'est des boîtes de collection.
Ah, c'est nul. C'est totalement nul. Il n'y a rien qui tombe, c'est incroyable. Oh, le premier gadget de Colt. Gadget, balle d'argent. La prochaine attaque de Colt est un tir puissant qui inflige autant de dégâts que sa rafale habituelle, mais traverse les obstacles comme les adversaires. C'est carré, ça. Nice, le petit gadget de Colt. Oh, ça, c'est nul. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît, va le chercher, le brawler. À 100, je m'arrête. À 100, je m'arrête et on réfléchit. Je pense que je vais dans la route au trophée, la course au trophée. Putain, j'en ai fait seulement 25, j'ai eu un gadget. Pour l'instant, c'est plutôt propre comme ratio. C'est 1% de chance, donc une petite boîte sur 100. Ok. Pour l'instant, il n'y a absolument rien. Ouais, c'est fou, hein. Après, ça fait beaucoup de pièces, hein, mine de rien. Allez, là, s'il te plaît, sors-moi un brawler. De toute façon, on peut en avoir qu'un. Le grand Byron. C'est Byron, hein. Byron. Dyson. C'est Dyson. Ouais, voilà, c'est ça. Oh non. Non. On l'a eu tellement vite, les amis. C'est incroyable. Dyson était bloqué dans une petite boîte en moins de 50 petites boîtes. On débloque Byron, c'est incroyable. Alors que j'ai encore des gadgets à débloquer, peut-être des Star Power. Je débloque Byron mythique 7 sur 7. Je veux une pluie de GG en commentaire. Incroyable. Byron dans une petite boîte, c'est fait, les amis. Oh, la pluie de GG, parce que comme je vous le disais, on est actuellement en live. Pensez à vous abonner, activez la cloche pour pouvoir assister à ces lives. Regardez-moi cette pluie de GG, on est presque 6000, j'avais pas vu, mais c'est incroyable. 6000 personnes en live à assister à ce déblocage de Byron dans une petite boîte. Mais oui, monsieur. Et sincèrement, il a un swag. Putain, c'est ouf, hein. Débloquer ce brawler en tout cas dans une petite boîte, incroyable. Regardons le résultat de cette petite boîte. Ah bah, il n'y a même pas de résultat. Super. Ok, retour à la saison en cours. Alors qu'est-ce qu'on a ici à débloquer? J'ai absolument rien, bordel. J'ai absolument tout ouvert. Mais j'ai absolument tout ouvert. Oh bordel de chiottes, la course au trophée, il me reste beaucoup. Je pourrais même pas le maxer là, en fait. On va être obligé de le maxer dans une autre vidéo, le Byron. Ah, oh, je suis tellement déçu. 209, sinon j'ouvre des méga boîtes. Vas-y, je vais essayer d'ouvrir des méga boîtes. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas des... Oh là 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 là. Je vais laisser le monteur compter les gemmes. Je vais laisser clairement le monteur compter les gemmes que je vais dépenser ici. Ça va descendre très vite à coup de... Oh! Oh, un nouveau gadget de Nita. On prend et j'ai encore plein de points de pouvoir pour notre ami Byron. 110 ici encore. Je sais pas, faut monter à combien, mais je crois faut monter à beaucoup. Non mais les gars, je pense que je vais plus avoir de V-Buck. Hein. Qu'il sera pas max, hein. On va essayer, hein. Mais j'aurais dû garder les méga boîtes, j'aurais dû les garder. Oh, le chiffre 2, le clignoting. Oh, le gadget d'arcade qui était disponible au shop, ça me permet d'économiser 1000 pièces d'or. Dieu, Jésus, Marie, Brawl Stars, s'il te plaît. Un gadget direct et de quoi le passer au niveau supérieur et si possible pouvoir neuf. Je pense que ça va être chaud. Oh, par contre 218, c'est carré, hein. Vas-y, on va aller jusqu'à 100 petites boîtes, hein. 100 petites boîtes pour essayer de débloquer le gadget. Ce serait beau. Attendez, je les gagne par combien là? Ok, attendez, 2 secondes. 2 secondes les gars, attendez, j'ai un appel urgent. J'ai un appel urgent, je reste là, vous inquiétez pas, j'ai changé la scène, je me suis mis en plein écran. Du coup, oui, je vous disais les potes, j'avais oublié que j'avais 2000 V-Bucks qui m'attendaient, regardez. 2054 gemmes, on va pouvoir maxer le nouveau brûler. Oh mais oui monsieur, hey. Je veux une pluie de pouces bleus pour cette vidéo. Je veux une pluie de pouces bleus. Bon les gars, vous avez absolument rien vu à ce qui vient de se passer. S'il vous plaît en commentaire, soyez sympa. Je veux pas voir de pigeons. Déjà la base, c'est ça. On a Byron, pouvoir 8.
Maintenant, on va direction la boutique, avec bien évidemment le code créateur Romain dans la boutique. C'est parti. Allez, vas-y, Brawl Star, mange mes mange mon barbecue. Hop. Hop là. Ça dégage. Je crois que j'ai ton temps. Allez, le gadget, ça dégage. On n'en parle plus. Oh là 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 là! Mais est-ce qu'on a le temps? On n'a pas le temps, Francis! Deuxième méga boîte, c'est gadget! Byron s'injecte. Oh, qui voit l'âge? Ouh, qui voit l'âge? Qui voit l'âge? Mais c'est un drogué! Il s'injecte un puissant remède. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru autre chose. Pour récupérer 800 points de santé par seconde pendant 3 secondes. Nice! Bah, ça y est, il est max. Byron est level max. Donc, à partir de maintenant, il nous manque qu'une chose à débloquer, c'est le pouvoir star. Bah, j'espère que je vais le débloquer rapidement, le pouvoir star. Vas-y, vous savez quoi? On va ouvrir 2 méga boîtes pour essayer de débloquer. Allez, 3 méga boîtes pour essayer de débloquer le star power. Sinon, on passera sur de la petite boîte. Non! 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 À la deuxième méga boîte! Le pouvoir star malaise, le super de Byron, réduit l'efficacité de tous les soins de ça. Oh! C'est un contre-soin! Oh, ça doit pas être facile à jouer. Donc le super soigne ses potes et en plus de ça, ça contre-soin. Ça peut être intéressant notamment sur une balise de Pam, sur un heal de Poco, mais il faut vraiment bien le timer. Mais ah, ça évite aussi qu'il se soigne tout seul. C'est vrai que ça, j'y avais pas pensé. Vraiment intéressant. Ou les sorts de soins dans des buissons grâce à des gadgets, etc. Vraiment intéressant. Je veux une pluie de GG sur le chat. Bah vas-y, hey, on va aller tester le brawler comme ça en mode YOLO. Ok, let's go. Oh, on dirait qu'il tire comme Miel Pops. Je fais zéro dégâts par contre. Oh, je fais des dégâts sur la... Oh, comme Crow. C'est du poison, c'est pour ça que vous disiez comme Crow. Ouais, bien joué ça. Oh, c'est nice. Allez, allez, s'il te plaît, reviens vite, poteau. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, je le mets tellement bien. Je le mets tellement bien, là. Là, c'est comme s'il n'était pas mort. C'est incroyable. C'est incroyable. Oh, il met une emoji en or. C'est une emoji rare. Je crois que c'est une emoji spéciale. Fallait faire un truc, si je dis pas de bêtises. Ah, je touche pas, hein. J'ai encore du mal à ajuster. Et le GG pour la première game. Première game avec Byron. Bon, la YM. On va pas trop le juger. Ok, quand je tire sur mon pote, ça le soigne. C'est bon, j'ai compris. Voilà, petite énergie ici, c'est cadeau. Oh non! On s'est fait laver là avec le gadget de Dynamike. Oh, c'est stylé comment il s'énerve. Eh, ça a changé, c'est quoi là? Pourquoi c'est en doré en haut? Je comprends pas pourquoi c'est en doré. Voilà, je soigne mon pote. Et ça le soigne en mode poison comme Crow, mais c'est excellent. Pour le coup, ça, ils sortent vraiment des mécaniques et des nouveaux brawlers sympas. Oh oh. Yes! Un super super. Allez, tue-le! J'en ai tué un! Oh, les énergies! Oui! Oh là 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 là, comment je carry? Plus de GG sur le chat! Hop là! Oh le coquin! Fais gaffe, il m'a touché! Oh bordel! On le coince, on le coince! Le bon soin! Oh là là, il pouvait absolument rien faire! Oh bordel. C'est vrai que j'ai pas pensé à tirer sur lui. Faut vraiment que je pense. Oh bordel. C'est dommage que je peux pas me tirer dessus. Mais le gadget, j'ai encore du mal, hein. Je l'active, je sais même pas ce qu'il fait vraiment. Faut que des gens m'expliquent. Wow 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 wow. Ils étaient collés à moi. Oh là là, le beau hit. Je soigne mon pote qui va être invulnérable.
Oh là 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 là, c'est vraiment fort. C'est vraiment éclaté comme brawler. Mais les gars, on est d'accord qu'il est cheaté là. Il vient de se mettre bien là. Ce qui est bien, c'est que même s'il est full life, le fait de lui mettre un truc, vu que ça dure quelques secondes, ça lui permet de régène. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. S'il se fait toucher, ça le régène. Oh! Je l'ai auto-shoot, mais qu'est-ce que ça a payé? Oh, elles sont belles mes flèches. Ça commence à rentrer. Oula, celle-là elle est pas belle du tout, celle-là elle est belle. Elles sont propres les games. Et du coup on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, explosez-moi cette barre de pouces bleus. Pensez à vous abonner, activer la cloche. Vidéo d'ailleurs et live qui vont arriver très très prochainement avec la découverte du nouveau brawler qui sera totalement gratuit. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et on se dit à très très vite.